N'importe quoi. 3, 2, 1, let's go C'est la piste de la glace ici. Euh... Oh d'accord, ça descend là, incroyable. C'est Winval pour l'instant qui est en tête. Ça va tourner un petit moment. Thierry le bonnet qui prend la, la pole position. Il va s'agir de descendre ici le plus vite possible. Faut pas que je me coince dans les, dans les choses. C'est Kikin, Link, Wispy, la bataille est dure. Qui va tomber en premier dans le trou qui est-ce qu'on va voir sortir ici Je vous regarde, le premier à pénétrer le top 1, <laughs> c'est Nico qui sort en tête ici Nico, suivi de Thierry Le Bonnet et de Kilkin, ça descend vite, ça descend fort. Il y, quelques... y a tout le monde par la droite, mais non, il y a Cartelano et Chico qui choisissent de partir euh, par la gauche. Nico est vraiment imprenable, il est au-dessus de tout le monde Nico est tellement loin devant Nico est tellement loin devant Est-ce qu'il va être retardé ici par quelques... Ah, des petits pistons ici Le premier piège Hop, il part encore à droite Ça se split Il y a des gens qui vont tout droit Tout droit, c'est un raccourci ici Peut-être euh, Eratos et Mimeto qui en profitent euh, pour prendre tout le monde de vitesse Eratos et Mimeto qui dodge tout le monde Un petit raccourci ici Incroyable Suivi de Ute, écarté l'anneau Boogie également qui chope chop qui réussit à prendre la voie du milieu Et ils vont doubler tout le monde, c'est incroyable on a, on a perdu Nico. Nico qui s'est fait rattraper par quelqu'un. Erestos et Mimeto qui s'envolent ici vers la victoire. Attention, le tourniquet qui tourne, ils en ont rien à foutre. Ils sont passés. Ils sont droit devant. <laughs> Là, ça tourne. Ça va tourner un moment, mais ça va tourner pour tout le monde. On dirait des petites trompes de Fallout. Erestos qui est en train ici de semer euh, complètement Mimeto dans le virage. Mimeto qui ralentit la vitesse. Pourtant, Mimeto est affiché toujours devant. Non, c'est bon, ça bouge. C'est tellement serré, tellement serré ici. On va voir la sortie, c'est bien. Et qui est devant, suivi de Mimeto toujours. Est-ce que ça fait des petits pièges ici J'ai pas l'impression que non. Suivi par très très loin derrière un autre peloton de tête, car... en personne de Cartelano et de Chop Datwitch. Et Restos, Restos qui s'envole ici vers la victoire. Restos qui va passer ce petit pont. Non, il s'est fait prendre. Il est retardé. Cartelano qui va le rattraper qui passe la petite balle! Chop qui arrive à toute vitesse. Incroyable, Chop, Chop qui est en train de s'envoler ici vers la victoire. Chop et qui fait tout ce qu'il peut pour le rattraper de vitesse ici. Chop qui se prend un petit mur. aussi oh, difficile. Chop à ça de la victoire. Incroyable. Le top 1 de CHOP, qui a rattrapé sur l'ultime seconde! <laughs> oh là là! Oh my god, cette course était incroyable! Ah oh non, mais la fin! Mais la fin! Tandis que Mimito arrive seulement maintenant, lui qui a mené la course en tête. C'est une bonne partie avec Erestos! Oh là, là 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 putain, depuis le temps que je participe, enfin le top 1. Hein. Putain, j'ai tout donné, mais j'étais dans la course, j'étais dans la course. J'étais dans la course et honnêtement, euh, le suivi de la course visuellement, ça va, non les, les plans cam. Le gagnant, shop, da, twitch, on adore. On va voir les résultats, on va voir les résultats Alors, Shop, Datwitch, euh, premier, second, Resto suivi en troisième position de Ute, quatrième, cartellano un petit top 5 pour Thierry le Bonnet. Mimeto, Link, Alex, Boogie, Powa et Chico, le top 10 der, en dernière position, 116 kilos qui clôturent la marche. À euh, noter parmi les subs, on retrouve Calgar en 13 position, Whispy en 14ème, Val en 15ème, et Hachécha, euh, 17 e seule représentante féminine dans cette course peut-être Peut-être, peut-être, sauf si d'autres euh, se manifestent. Voilà, on va tenter une autre course. C'était vraiment incroyable. Random track, introducing the Marbies. On dirait des dragibus. Ce fut tendu. Dès à présent, point d'exclamation, play dans le chat pour euh, tenter de rejoindre cette, ce, cette petite compétition. Voilà, cette euh, officiellement deuxième course. Officiellement deuxième course parce que c'est la deuxième course qui se passe bien, on va dire. Hein, euh. Non j'avais pas participé, putain j'avais pas participé, vas-y je, je participe. Je participe, ma première course en tant que commentatrice et participante. La première on la compte pas, la, la première c'était vraiment... Euh, c'était du n'importe quoi. Salut captain Rida. <laughs> la première c'était trop du nimp, Oh là j'ai l'impression qu'on est sur une petite course où ça va descendre tout en hauteur. Ouh là là. La deuxième course où la caméra se consomme. Non mais la première, c'était vraiment une course d'échauffement, je pense. Je pense qu'on peut acter ça comme ça. Vous êtes 25 participants pour cette course Shop da Twitch qui remet ici son titre du coup en jeu. <laughs> Dans la foulée. Écoutez, on va se faire le petit décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go C'est parti Le peuple s'élance Alors ici, qu'est-ce qu'il y a On dirait des petits parasols, tandis que ça tombe. On vous remet évidemment les pseudos. C'est Mathilde ici qui est bien descendue. J'arrive pas. Pourquoi mes touches se sont changées d'une game à l'autre Ah là 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 Les touches de Nao sont cassées, c'est terrible Bah non Up, down, je comprends pas. C'est parce que je participe en fait que ça fait bugger les trucs, non je peux, peux rien déplacer. J je suis coincée. <laughs> J'ai vu Yout tomber. J'ai vu Yout tomber, tandis que faut pas que je participe. Je nique tout quand je participe. Regardez, j'arrive pas. À... J'arrive pas. Cette course est annulée. On cancelle la course. On recommence. Ah bah non, c'est cassé, c'est cassé. On recommence. On peut faire un grand prix. Après les, les trucs qu'on avait là étaient pas mal. Vas-y, on va dans Cosmic Chaos, pourquoi pas non, non, il faut pas, il faut pas que je rejoigne. Il faut pas que je rejoigne, je pense, parce que. Euh... Voilà, le, le, mes touches sont bien mises, etc. J'ai l'impression que dès que je suis dans la partie, ça bug de ouf. Ok, on se la refait, c'est pas grave. Un petit lancement pour du beurre. On recommence. Point d'exclamation, plaît pour rejoindre. En espérant que cette fois il n'y ait pas de bug. Au final, il n'y aura qu'une course sur la glace qui s'est bien passée. C'est terrible. Euh, mais non, mais là j'ai bo bon espoir que ça se passe bien. Wow, oh, vous démarrez tous dans une grande sphère. Oh là là Oh là là, cette map cosmique, tandis qu'on a une belle vue sur la Terre. Ça se passe dans l'espace. La première course ici de bide de l'espace, je pense. Je ne vais pas rejoindre, je vais me contenter d'être. Mais où est, mon... où est mon jeu aussi? Où est ma souris dans, dans le jeu là mon jeu qui... qui est crash, en fait. J'ai plus. Ouh, c'est ma souris qui répond plus Attendez. pas ah, ma souris, Oui. J'ai plus de souris. Ah non, c'était ma cam. J'ai confondu ma souris et ma cam. N'importe quoi ce matin. Oui, j'ai confondu ma souris et ma cam. J'aimerais retrouver ma souris et ma cam du coup parce que du coup j'ai perdu les deux ok j'ai euh... bah, j'ai ma souris déjà ça c'est bien on va <laughs> on va rafraîchir <laughs> c'est bon la cam est de retour aussi euh... c'est juste le jeu là qu'on n'a pas On va tenter, c'est pas grave Tonton 10, 9, 8, le jeu commence, ça explique le freeze, ouais j'avais débranché le mauvais truc. En espérant que mes commandes fonctionnent et qu'on puisse suivre cette compétition, normalement les pseudos sont ici affichés, ça, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner, donc là c'est pareil, on commence avec une... Ah, une grande tour, vous allez vous rapprocher tout doucement du milieu, mais on est sur un satellite en fait Alors moi je vais venir directement en bas pour suivre... Qui est le premier Qui va s'en serrer dans ce gouffre Et vous êtes, c'est très très serré. J'ai l'impression que c'est Antiléon ici, suivi du Cœur de Lotus. Ça prend un très bon départ. J'essaie de voir chop, chop dans la foule. Euh, mais il n'est pas là. Antiléon, Cœur de Lotus. Oh, c'est le split. Déjà, vous choisissez... Oh, mais ça fait des 360. Mais attends, mais c'est euh, l'attraction de Disney là. Comment ça s'appelle <laughs> Avec les grands 8. Les grands 8 ici. Ça s'enchaîne, ça va être difficile à suivre dans le grand 8 même pour moi, mais j'ai l'impression qu'ici c'est toujours Antiléon qui est en tête, suivi euh, de Cœur de Lotus, et ça fait des 360. Alors la route arc-en-ciel peut-être un peu, je pensais plutôt euh, au Space Mountain, effectivement. Ici on est sur le Space Mountain, en... Antiléon Cœur de Lotus qui profite, mais une aspiration incroyable. Hippoto, mais attendez, il y, y a une barre où vous avez un speed de vitesse, mais c'est incroyable, je passe avec vous ici en espérant ne pas me retrouver coincé au bout, ce serait absolument dommage. On va sortir par là, hop. On va prendre un petit peu de hauteur pour voir ce qui se passe à l'avant de, la, de la course. Ça va tellement vite, cœur de Lotus, qui est en train de s'envoler. Tellement loin devant tout le monde. Cœur de Lotus qui s'envole. Qui s'envole ici vers la derrière, Derrière hein, s'est décroché, il est tout seul. Suivi de Erestos, Captain Raider Antilion. Attends, cœur de lotus, cœur de lotus, cœur de lotus. qui s'est passé ici dans le virage Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour cœur de lotus qui se retrouve ici complètement à l'arrêt Oh non, mais il y a des pièges Il y a des pas qui s'est retrouvé bloqué sur la POC, Antiléon et Restos qui est en train du coup de s'envoler vers la victoire. Il est tout seul, mais là aussi il y a des petits pièges. Il y a des petits pièges, ça ralentit. C'est des Dodanes, les Dodanes qui ralentissent ici. La course des Restos, ça va beaucoup moins vite. Antiléon aussi qui est, euh, qui est aux prises. Qui... Mais qui le suit Du coup, le monde est en train de se rapprocher. Mais je, je pense qu'il n'y a rien qui pourra ici venir empêcher la victoire des Restos qui se rapproche Qui se rapproche Il se rapproche C'est lui C'est lui, c'est bon C'est la victoire des Restos ici, suivi d'Ozi, et Do Zéba voilà. Et Antiléon, Antiléon qui a été en tête de course. Et Coeur de Lotus, cœur de Lotus qu'on a perdu Il arrive seulement maintenant aux côtés de Shop Twitch aussi, qui n'a pas du tout été euh, dans le peloton de tête sur cette course. Mais oui Coeur de Lotus qui s'est pris un potal Un potal malheureux parce que ici dans le virage on n'avait pas bien vu mais haha ha Il y avait des pièges tandis que c'est Boogie là qui est en train de fermer la marche et regardez Boogie aussi qui se fait complètement bully par les poteaux <laughs> mais ça y est il s'élance il s'élance enfin et là dans tous les virages il y avait tellement de pièges tellement de poteaux qui descendent et qui montent et qui ont ralenti Coeur de Lotus qui s'était pourtant envolé il y a eu un mort ah il y a eu un mort on va aller voir ça dans les dans les finalistes on va regarder ici l'arrivée de, de Bougui qui n'est pas le seul, qui n'est pas le seul. Il y a encore euh, Hiploto également. Hiploto qui n'est qui n'est pas arrivé. Hiploto Ah ah non. Ok. Au bout d'un moment, il y a quand même euh, comme euh, comme le Battle Royale, il y a le il y a le brouillard qui arrive et qui qui met fin qui met fin à la course. Le gagnant du coup est Restos. On va voir ça. On va voir ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fini. Effectivement. Hiploto, Bougui, Wispy, Magmaclick, Opatus, Winval et Chico. N'ont pas pu terminer la course. Ça, c'est terrible. Et du coup, on est sur un podium avec Erestos, Ozizeba et euh, Antiléon. Hello, je suis deuxième, let's go Il y a eu plus qu'un mort, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être eu plus qu'un mort, et en tout cas, beaucoup, beaucoup de, de, de disqualifiés, tout simplement, hein, qui ne sont pas arrivés dans les temps. 116 kilos, qui finit 16 e il porte donc très bien son pseudo, et je me permets de le noter, puisqu'il avait fini en dernier de la course précédente, donc ça fait bien de le dire. Et là, du coup, on peut dire que la marche est fermée par Vince euh, FCL. Ah ça, à ça, à ça de... Oh, il y a Julie aussi qui a rejoint la compétition il y a Julie, euh, les représentantes féminines, Mathilde aussi qui est là. C'est vrai, merci. Mais merci de. Mais oui, on constate qu'il y a une petite remontée au classement général si on avait fait un classement généa... général, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Échappe notre euh, premier de la gamme précédente qui finit ici sixième euh, course suivante. C'est trop drôle, j'adore. Je... Quand ça bug pas, c'est drôle. Il faut pas que je rejoigne en fait. La course suivante s'appelle Trick or Treats, et ça c'est drôle parce que c'est vraiment vraiment euh, Halloween vibes, c'est approprié, c'est deux saisons, deux fois numéro 13, quel enfer C'est vrai qu'elle j'ai pas fait gaffe, je t'avoue que j'ai pas tout tout retenu. C'est le moment de faire Point d'exclamation Play pour rejoindre cette course vous êtes de plus en plus nombreux. On était 20 participants sur la première course. On est maintenant euh, 27. 27 à prendre part au départ. On va découvrir ensemble cette map qui, j'imagine, du coup, il doit y avoir des pièges. J'imagine que c'est une map, au vu du nom, qui doit avoir des petits pièges de ci, de là. Est-ce que c'est des maps où certains vont se faire éliminer Peut-être. This is Halloween. This is Halloween. Exactement. Et vous êtes maintenant 31 à prendre part au début de la compétition. Je lance le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Oh là là, ça descend, ça descend vite, ça descend vite. Peu de personnes ici qui se sont pris des pièges. Il y a peut-être des gens qui risquent de tomber au milieu. Non, ça va, c'est une bonne réception. On va évidemment afficher les pseudos de tout le monde. Oh 116 kg le set remonté, il est en tête de la course. Après un début plutôt chaotique sur les autres épreuves, malheureusement, il vient. Oh non, Santi Skilo qui vient de s'enfermer ici dans des citrouilles. Mais qu'est-ce qui va se passer ici Vous, vous, comment vous allez sortir de là Il faut une arrivée massive de, de gens. Vous êtes, euh, vous êtes bloqué Vous êtes, euh, vous êtes carrément bloqué et Restos qui a récide, réussi à se dégager du piège, Le piège qui s'enlève au bout d'un moment, mais qui permet de stack ici la population 116 kilos, qui avait donc pris une avancée euh, mémorable, qui s'est retrouvée. Et c'est peut-être une map où il ne fait pas bon d'être premier. Restos qui parvient à défaire ici la citrouille. Oh Zéba, je rappelle qu'il était aussi dans le. Ah Chécha Notre compétitrice féminine Elle est top pas actuellement en tête, incroyable Mais c'est serré aussi de l'autre côté, hein. ça se rapproche, ça se rapproche. Oh là là, il y a un petit saut. Ne pas rater son saut, avoir assez de vitesse. Encore des citrouilles et Restos qui s'est pris le piège de Pierrefoy qui reste ici un petit peu bloqué tandis que c'est passé devant, c'est passé pour Achicha, c'est passé pour val un petit Trans 60, le Space Mountain. Ça descend tranquillement ici, pas de piège. On prend son temps. val qui profite ici peut-être du virage pour prendre euh, l'ascendant aux Izéba, aux qui prend la tête. Hein, c'est Skilo qui est bien remonté. Il avait fait un bon départ avant de se faire complètement stack dans le piège du premier virage. Et il est là, il est remonté, il est toujours dans le pelon de tête. Oh, c'est très très serré. Attention, il y a encore des petites euh, papkins qui s'annoncent tandis que Erestos offre 100 subs à la communauté. Il anticipe, il est déjà dans la célébration de son précédent stop 1. <laughs> Au moins que je finisse d'accord. Alex, Alex qui vient de, de s'échapper tout seul. Mais, mais, mais quoi Un piège, Kento qui le dépasse, c'est pas fini. Vanval qui a plus de vitesse, qui va arriver de Complètement bully, mais c'est incroyable, Wispy qui peut ici passer. Alors attention à hein, ne pas se faire ici euh, disqualifier. un moment, on rappelle, hein, Il faut finir dans un temps donné. Boogie, boogie, qui ne passe pas. cœur de lotus, ça ne passe pas. Il reste ce qui passe. Incroyable, Chico, Ashisha, hey Ashisha, qui a tellement tenu la tête une partie de la compétition aussi. 116 kilos qui n'est toujours pas passé. C'est le bully. C'est drôle, putain. <laughs> C'est Winball Ah win win Sans c'est ce qu qui passe enfin Armageddon hein, qui passe aussi Le piège ici qui semble s'être arrêté sur le côté Mais il y a un... Non il repart C'est pas fini Cœur de Lotus qui est carrément remonté tout là-bas Boogie Boogie peut-être qu'il va passer Allez Boogie Boogie Il faut essayer de passer Link Link Leak et Non, c'est raté pour Guicard de Lutus qui en profite ici pour passer... Non, j'ai cru que ça passait, mais non Oui Aussi, oh, c'est passe. Oh non, dommage Le brouillard a rattrapé tout le monde. Vainqueur, Yosuke. Cette map était hardcore. Vainqueur, Yosuke. Deuxième place, Jordan. Troisième place, Hervé, Paturel, Calgar, hein, qui se plaignait d'une troisième... d'une treizième place, par, pardon, euh, assez régulière. Au final, on est sur, euh, bah, une quatrième place ici, plutôt sympa. Euh... 10 dixième, qui est le dernier à être passé Qui clôture la marche Du coup, c'est Kento, PA, qui clôture la marche. 116 kilos, qui était top 1 pendant une partie de la course et qui se retrouve 23e seulement. Aïchecha aussi, qui finit 19e alors qu'elle a été euh, première de compétition. Restos le premier, qui était top 1 sur la dernière course, qui finit ici 14e. Et euh, bien sûr, du côté des disqualifiés, on a Ozizeba, Magmaki, Boogie Powa, cœur de Lotus, Link et Thierry Le Bonnet, pour qui ça ne... Passe pas Voilà. Let's go, la deuxième place. Il aurait fallu que je fasse, je sais pas, un genre de grand chelem. Il y a un genre de, peut-être, cumul des points sur... Euh, je sais pas. En même temps, c'est une première... Euh, c'est une... Voilà, c'est un premier Marble. On en fera d'autres parce que c'est bon, j'ai les commandes. J'ai le visuel. Je trouve ça très marrant. Je suis à fond dans le commentary. On va, on va faire de l'esport de bi. Il <laughs> faudra qu'on s'organise... Euh... Ah, il y a un mode tournoi. Il faut que je m'intéresse au truc. Il faut que je m'intéresse au truc pour, euh, pour faire ouais, un petit mode tournoi. Grand prix, peut-être. Peut-être un grand prix. Ouais, ouais. Plus j'en fais, moins c'est bien. C'est moi tout à l'heure quand je tapais dans mon push de boxe. Allez, course suivante. On va la découvrir ensemble. Waouh, une course qui a du son Point d'exclamation, play, pour prendre part à cette, cette course. Voyez cette session de Marbles on Steam comme un échauffement. Échauffez vos billes, découvrez. Découvrez tout ça. Et puis, on, on verra pour faire, effectivement... Euh... Vous allez vous faire enlever par des extraterrestres, je pense, sur cette game. <laughs> je pense que vous allez vous faire enlever par des extraterrestres sur cette game. Et on verra pour organiser euh, le tout premier tournoi. À la clé, le vainqueur du tournoi aura euh, un truc VIP ou je sais pas, tu vois, il faut qu'on trouve euh, un petit, euh, tu sais, le tenant du titre, il gagne le titre VIP jusqu'à jusqu la prochaine session, j'en sais rien, il faut qu'on trouve euh, un truc quoi. Amtaro qui rejoint aussi la compétition, ah 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 Yut n'est plus le seul représentant de la modération, Amtaro nous a rejoint, Ça va être rigolo, ça va être rigolo, vous êtes euh, actuellement 30 participants, à chaque fois qu'on relance une game, il y a plus de participants encore que la fois précédente, c'est très très drôle je prépare le lancement de cette course. Une course qui a l'air de. Ça descend en toute verticalité. On va découvrir ça ensemble. C'est parti, je lance le compte à rebours. La bataille des modos. Qui sera le meilleur modo entre Youth et Amtaro Ça se décide sur cette course d'habits <laughs> <laughs> Est-ce que c'est une map où il va y avoir de l'élimination C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va essayer de voir qui est la première personne entre et Ayasha qui prend une nouvelle fois un très très bon départ. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui va plus vite. Je dirais que le, les gens qui sont partis par la droite, ça va un petit peu plus vite. Ça se split, hein. Ça se split. Non, Ayasha qui est très bien ici. Ayasha qui est très bien. Elle est en train de s'envoler suivie de Whispy. J'ai l'impression que ceux qui sont partis sur la droite ici avaient un petit boost de vitesse, mais également ceux de la gauche. Tandis que... Qu'est-ce qui se passe là avec les extraterrestres Est-ce que c'est juste de la lumière ou est-ce que les gens se font bien, bel et bien kidnapper Je ne sais pas. Achécha Achécha Mais qu'est-ce qui se passe Achécha qui s'en va, achécha qui tombe Achécha qui tombe On perd Hachécha. C'est le c'est puissant fond Et Restos à nouveau ici, très bien oh, C'est une map à élimination Attends quoi Chop où est-ce que vous partez Vous êtes envoyé en l'air. Les Askins aussi, qu'on qu perd. On perd des gens. On perd des gens ici. Erestos, qui euh, pénètre cette euh, forêt de sapins, de pousses vertes. youth premier modérateur à se aussi dans la forêt vierge. Tandis qu'il y a encore hein, les extraterrestres qui sont au passage. Attention de ne pas vous faire kidnapper. J'ai l'impression que euh, ces extraterrestres sont là pour vous éliminer, bien sûr. Beach, qui prend le côté et qui euh, dodge tous les dangers ici. Qui permet de s'élancer. En premier, ou première, euh, hors de cette forêt maléfique. Oh, Yute Hamtaro, c'est très très serré. Amtaro, le premier à s'engouffrer dans l'ascenseur. Il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Ils sont quasiment au même niveau, les deux modérateurs. C'est incroyable. Wispy qui prend la tête de la compétition. Wispy, 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 Wispy. Je ne le vois pas, il doit être de l'autre côté. Je suis du côté d'Ozuke, moi personnellement. Effectivement, Wispy qui est parti euh, ici euh, sur, euh, sur, la gauche, euh, sur la gauche pour lui. Et sur la droite pour vous. Il est devant, suivi de très très près par Amaridon, ah, Taga. De l'autre côté, ça va vite aussi, ça se bagarre. Amtaro dans le premier virage. Oh là là, attention, mais là... Oh il va falloir tomber au même moment. Regardez, l'arrivée, la f... c'est un plateau qui tourne. Si vous arrivez au mauvais moment, il n'y a pas d'arrivée. Amtaro qui arrive alors qu'il n'y a pas d'arrivée. Amtaro qui arrive alors qu'il n'y a pas d'arrivée. C'est terrible, il arrive le chat. Amtaro premier. Son premier tournoi. Son premier, sa première décision. Le culot Le culot C'est ça les modérateurs, il a activé le cheat code <laughs> Bravo Boogie qui finit le mec tandis c'est un nombre incalculable de personnes. Tombe Tombe Puisque l'arrivée n'est pas présente du côté où ils arrivent. Et est-ce que ça va passer pour Jordan, de lotus qui échoue Forcen aussi, Forcen qui échoue Scandaleux GG <laughs> à tous, je pense qu'on a perdu beaucoup beaucoup de gens sur cette map. Seulement 15 arrivées pour 32 participants. C'est terrible. Une map à, euh, hautement punitive. Il fallait donc avoir deux fois plus de chats. C'est indécent. Mimeto qui meurt à l'arrivée. Voilà, c'est frustrant. C'est frustrant, évidemment. Oh là là, incroyable. Alors, on va voir. On va voir les dégâts. En tout cas, les deux modérateurs sont passés. On a Amtaro en première position, le top 3, suivi de Yosuke et Bitch. Bitch qui a été longtemps pendant un. Pendant longtemps devant, hein, c'est le cas de le dire. Euh, Boogie Powa qui est passé et qui finit, ça m'a fait. Qui vient ici hein, inscrire des points favorables. Euh, Whispy, Kento, Vince, Amarguidon, Youth, euh, 116 kg, 10 e Et Restos, euh, notre, euh, notre précédent top 1 euh, encore d'avant. D'ailleurs, Shop Shop qui s'est fait euh, expulser hein, en jeu. J'essaie de me rappeler tous les top 1 qu'on a eu, mais euh, euh, on a eu... Voilà, euh... ouais, je commence d'oublier d'une game sur l'autre. C'est difficile. C'est difficile avec tous ces pseudos. En tout cas, Jordan, ici, le dernier à avoir réussi à choper l'arrivée au vol. Les éliminés, ils sont nombreux. Ils c'est même... Euh... <laughs> ils sont beaucoup, beaucoup. Donc on a... Forson, Cœur de Lotus, Mimeto, Tersocal, Hervé, Paturel, Tagat, Thierry Le Bonnet, Chico, Nico, Mathilde, Ozizeba, euh, qui avait fait des belles prestations sur les manches précédentes, et Fred, Kilkin, euh, Les Asken, Shop, Datwitch, Aishesha et Kalgar, qui ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. C'était une map hautement punitive. Je pense qu'on attend de faire une toute dernière game, mesdames et messieurs et... et voilà, et ce sera la, ce sera la dernière, puisqu'après il sera l'heure pour moi de rendre l'antenne avant de vous retrouver ce soir pour un petit jeu très chill et très détente à base de petites sorcières. Comment ça, OG? Oui, il oui, n'était même pas devant son écran. C'est scandaleux. Point d'exclamation, play. Viens remettre ton titre en jeu, Amtaro. On compte sur toi. Point d'exclamation, play, Amtaro. La bataille des modérateurs. Yout qui va essayer de se venger. <laughs> C'est la dernière run pour ce matin. Et puis dans un futur, euh, on prévoira de faire un petit mode de tournoi. Ce qui sera assez sympathique, je pense. En tout cas, un bon jeu pour un petit samedi matin, je trouve. J'adore. Heureusement que vous l'avez conseillé quand je vous ai partagé ma passion pour la descente de billes. <laughs> la descente, la montée de billes, ça me va aussi. Hein, mais euh, la course de billes de manière générale. Voilà. Euh, écoutez, je vais lancer le euh, chrono. C'est parti. 10, 9, 8. C'est la dernière. C'est l'ultime de ce matin. Et j'avoue, c'est très très rigolo. Euh, là aussi, on est dans une map un petit peu de la verticalité. Il y a des pièges. Waouh, merci, 116 kilos qui offre 25 euros top 10 du coup. Un petit don, mais c'est adorable, merci beaucoup. Merci. Alors, euh, séance, séance, yout, yout. Yout qui n'a pas apprécié la victoire d'Amtaro sur la game précédente et qui vient ici prendre la tête directement. Mais il se fait pas respecter Il a été bloqué par des cailloux. Amtaro aussi bloqué par des cailloux. Euh, les modérateurs euh, qui, qui ont lâché l'affaire, mais ça va très très vite. 116 kilos qui tombe dans les limbes de l'espace. Mais euh, en tête de la compétition actuellement, nous retrouvons Beach, nous retrouvons Shopda Twitch, nous retrouvons Ozizéba, val ça se, ça se bagarre ici parce que ça vient se prendre des blocs. val qui en profite pour s'extraire et dépasser tout le monde, mais qui se retrouve euh, à nouveau bah, limité dans le piège ici. Yozuke qui s'en sort le mieux. Mathilde, Mathilde, Mathilde qui allait trop trop de vitesse, Mathilde trop de vitesse qui déborde. Mathilde, ça déborde et ça tombe, ça tombe dans les de. Mais Yozuke est si bien, mais il est si bien qui peut l'arrêter! Qui peut l'arrêter Un mur, un mur, un mur qui vient l'arrêter ici. Aptaro le scan. Ah non, euh, <laughs> j'allais dire il vient de de manière scandaleuse et non, Il vient mourir. You, est mort aussi. chape et mort. Mais tout le monde meurt aussi, qui est toujours bloqué par ce caillou. Il, pour, il peut, il reprendre. Il peut reprendre, mais il va se retrouver encore bloqué. Il va se retrouver bloqué. Il va falloir de l'aide, hein, de l'aide de Ossisiba peut-être et, et Nico qui s'en viennent. Beach euh, aussi qui tombe dans les larmes. Une map très punitive. Hervé qui arrive, ah Hervé, non Hervé qui tombe en fait. Parfois je les vois arriver vite, mais en fait, en fait il tombe. Aussi, Zéba qui vient expulser le bloc, qui permet de libérer Yosuke, Yosuke qui va peut-être réussir à s'extirper. Oh, si si, oh, les pièges, Cœur de Lotus qui, qui rattrape, mais il y a encore, il y a encore tout un pan de mur à faire tomber avant de pouvoir prétendre à arriver. Nico qui arrive. Ou un Val qui est sur le chemin aussi. Il reste que 5 personnes en compétition. Vous les voyez Ils sont là. Et c'est Nico qui finit par s'en sortir en premier. Il faut, il faut, tomber maintenant. Il reste 55 secondes avant la fin de la map. Ou un Val. Ou un Val. C'est bon. C'est passé. C'est passé ici. C'est vraiment l'occasion de prendre des points hein, si on était en, en mode tournoi parce qu'une map hautement punitive. Tout le monde s'est envolé dans les limbes de l'univers quoi. Hein. Voyons les résultats finaux. 5 personnes. <laughs> 5 personnes qui ont réussi la map seulement. En top 1, on retrouve Nico, suivi de Ozizeba, Wanval, le représentant des subs, et Yosuke. Et on finit par Cœur de Lotus, le dernier à avoir réussi à passer. Incroyable. Incroyable. Regardez tous ces gens éliminés. Oh, merci Wanval qui offre 5 subs à la communauté. Let's go. Merci. Merci pour les sub-gifts. Merci pour le don. Euh... Donc euh, de 116 kilos et merci aussi pour le sub gift du savon de Erestos, euh, ça me régale. Voilà, vous me régalez, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ça ce matin, c'est très drôle. Euh, je pense qu'on se refait ça très vite et on va regarder comment faire un, un petit mode tournoi euh, le week-end prochain. J'ai euh, une nounou samedi matin, donc on peut se dire qu'on peut essayer de tester euh, le, le premier tournoi. Il faut qu'on regarde un peu, faut que je regarde un, ça d'un peu plus près. Mais euh, Tita qui se fait offrir un sub incroyable.